Bonjour les amis, on se retrouve pour la toute première épisode de The Palm World. Et nous voici dans le jeu qu'on va découvrir ensemble. Donc, les vidéos vont être un petit peu... comment je pourrais dire? Rapide, je ferai pas des vidéos de comme 30 minutes, 45 minutes. Je vais essayer de faire comme 10-15 minutes les vidéos pour que vous ayez envie de regarder et que ça soit juste fun. Donc, on va commencer une nouvelle partie. On va se créer un nouveau monde. On va l'appeler Ariel. Donc, on le mettra pas en multijoueur. On va laisser ça en normal. On touchera rien. On va commencer. Et puis. C'est le temps. Ok, donc ici pour la création du personnage, on va faire vraiment ça quick. Bon, je vais claquer des doigts, puis ça va être fait. Et voilà les amis, notre petit personnage. Je sais, il ressemble pas à grand chose, mais ça va être ça, qui va être ça. Donc oui, créer le personnage, et on se retrouve en jeu. Waouh! On se retrouve sur la plage avec nos petits palms. Et nous voici, les amis, sur Palm World. Donc, il va y avoir un petit tuto à faire au tout début pour nous montrer un petit peu comment jouer et tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué comme jeu. Fait qu'on va faire les débuts avec... Je vais faire le début avec vous, puis... tu sais, là, on est comme... Vraiment au tout début, là, je vais vous montrer quoi faire, puis comment... Oh, comment bien débuter, parce qu'il n'y a pas vraiment de bien débutage, si je peux dire ça comme ça. Mais... Je vais vous expliquer. Maintenant, ça ici, c'est pour des voyages rapides. J'imagine que vous le savez si vous avez déjà joué au jeu. Mais c'est ce qui va nous permettre de se téléporter au... partout. Bon, je connais un petit peu le jeu, je le connais pas entièrement, parce que j'ai juste joué quelques heures. Donc ici, on a un petit PNJ, il nous vend des choses, il nous parle. Pas trop besoin. Et ici, les amis, on voit notre premier palms. Côté du bout. Hello. Check, boom, bam, e, dash, touche. Donc, évidemment, on ne tuera pas toujours toutes les palms. Là, je les fais parce que c'est le début, puis ils me regardent écroche. Hein? Donc, souvent, quand vous marchez dans la nature, vous pouvez trouver des petites mégasphères ici. Les mégasphères, ça va vous servir à tout simplement attraper les Pokémon. Les palms, je suis désolé. Donc, dans ce jeu, on va essayer de se trouver un petit endroit au tout début pour le mettre, pour qu'on soit bien. On va essayer de trouver... une plaine, mettons ça ici, c'est bien, là c'est sûr j'aurais pu peut-être aller à la plage, mais on va se mettre dans ce petit coin là je pense pour le début. Donc dans le petit tuto ça nous dit d'aller dans le menu escape et puis dans les guides de survie. Pas vraiment besoin, je connais quand même les débuts là, j'ai joué peut-être comme une 3-4 heures avec mon frère, on a une petite team ensemble. Donc, es-tu parlé toi? Je vais le laisser tranquille, il était tout mignon. Donc à certains endroits de la map, les amis, on va retrouver ces genres de petits statues-là, les petits trucs verts ici. Ça va servir à principalement une chose pour notre personnage, à pouvoir améliorer notre compétence d'attrapage des palms. Donc ce qui veut dire, c'est que là on doit être niveau 1, après ça on va être niveau 2, 3, 4, puis plus qu'on monte, et plus qu'on va
avoir plus de facilité à attraper les palms. Donc ça, les amis, c'est mammouth, il est haut, et il faut pas le taper de suite. Parce que vous le voyez, il est niveau 34, et nous on est niveau... Oh, donc on va essayer de se mettre à une petite place là, un petit peu plat, ici ça me semble être bien quand même. On va se mettre ici. Donc pour établir notre base, il nous faut une établie de fortune, ou maintenir F pour le construire. Donc avec ça, c'est pas vraiment ce qui va nous faire notre base, c'est plus avec ça ici qu'on va tout crafter ce qu'on a de besoin, comme des pioches, des haches. Donc moi je vais tout de suite commencer à me faire une petite pioche et une petite hache, puis je vais tout de suite éliminer du bois et puis un petit peu de pierre. Donc dans ce jeu, vous avez des 4 slots ici, c'est vos pioches, haches, arcs. C'est pas mal les 3 principales que vous allez utiliser. Moi j'aime bien aussi utiliser la lance. Donc à ce jeu-là, les amis, quand que vous montez de niveau, ici on peut se renforcer. Moi ce que j'aime bien faire au tout début, parce qu'on va en avoir besoin énormément, c'est de se mettre du poids et puis de l'endurance. Je vais claquer mes 2 points là-dedans. Et puis en technologie, je vais tout de suite commencer avec prendre des sphères de spalm, une boîte à pales, le coffre aussi parce que je vais en avoir besoin, un arc, des flèches, un lit. Ça va être pas mal, avec le banc de réparation, ça va être pas mal le plus nécessaire avec aussi des structures de lit de palme parce que sinon sans ça, les pales pourront pas dormir. Donc là, notre quête, c'est de fabriquer une sphère de pales. On va en faire une. On va aller attraper un palme parce que c'est notre quête. Donc on va cliquer sur 2. Alors là, on peut le changer. On va aller le montrer en bas de la droite, mais je vais l'encercler. En bas à droite, vous avez sphère de palme. Quand vous cliquez sur 2, ça le change. Donc évidemment, les bleus, c'est ceux les moins bas, les moins puissants. On va utiliser la hache pour en down 1. Donc plus qu'il est low life, plus que vous avez des chances de l'attraper. Bon là, je l'ai tué. J'ai mal jaugé. On va le mettre environ à 10%. Petit dernier coup. Boum, on avait 100%. Et puis, on a notre premier palms. Donc, après ça, il va nous rester à faire, c'est de faire une petite boîte à pales. Ça va être ça qui va définitivement poser notre petite barre. Fait qu'ici, on l'a pas, c'est normal. Il faut aller sur le menu B, puis pales. Là, on n'a pas ce qu'il faut, il nous faut des éclats de paldium. Ça, c'est des petits cristaux bleus à terre, ce que j'ai tapé tantôt. On va en avoir là. Il y en a pas mal partout. C'est pas mal la ressource première pour les premiers pales. Juste un petit peu d'endurance. Boum. Bim. Bam. Boum. Bim. Bam. Boum. Parfait. Donc, comme vous voyez ici, les amis, je viens d'avoir 5 éclats de paldium. Avec ça, on va pouvoir cliquer sur B et puis mettre notre boîte à pales. Avec ça, ça va faire en sorte que on va avoir notre base et on va pouvoir dire à nos pales de construire, de miner, ben peut-être pas de construire, mais plus de, mettons, miner quand on va mettre des trucs pour ça, de nous défendre, de nous aider à crafter des matériaux. Avec ça ici, on peut cliquer sur F, mettre un palm en bas. Donc lui, il va nous aider, il faut pas grand chose. Comme vous pouvez voir en bas dans mon écran, je vais vous l'encercler, il peut soit récolter ou aller dans une ferme. Donc, ce qu'on va aller faire, les amis, je vais aller chercher un nouveau palace. Je ne vais pas forcément vous le montrer. Je vais faire un ellipse, puis je vais vous montrer celui que j'ai pris. Et voilà, les amis, j'ai mon palace. Donc, je voulais un petit chat. Et ça va attaquer un autre palace parce que, comme vous voyez, j'avais pogné l'aggro. Donc, il va venir m'aider, il va l'attaquer avec moi. Je vais le capturer. Ce palms là, il va faire de l'extraction. Il va m'aider à crafter. Lui, ça va être le premier, vraiment premier palms que je vais mettre dans la petite boîte. Il va se m'aider. Et voilà, les amis, ce palms là, ça va être mon nouveau paquet. Avec lui, je vais vouloir crafter, mettons, j'ai besoin d'un petit peu de flèche pour tout de suite. On va en crafter 4. Et vous allez voir, il va venir m'aider. Et ça va beaucoup plus vite. À deux. Donc, ça va être fini, les amis, pour cet épisode-là. On va se retrouver pour le deuxième épisode, mercredi prochain. Donc, pas ce mercredi-là, parce que ça va être la sortie de cette vidéo. Mais mercredi de la semaine prochaine, vague. Donc, si vous aimez ce genre de petites vidéos, parce que si vous trouvez que sont trop vite ou pas assez, merci s'il vous plaît de me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve dans une semaine. Ciao les amis.